Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une ouverture d'un courrier. C'est une commande que j'ai passée sur la boutique Catissou. Et donc, c'est pour faire des. C'est une nouveauté que j'ai prise sur cette boutique pour faire des. Comment ça? Des cartes pour Noël. Je les ai commandées là parce que ça part tellement vite. J'avais vu un autre modèle et quand j'y suis retournée, ben, il était déjà épuisé ce que je voulais. Donc, ben, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est la boutique Catissou. C'est une boutique qui se trouve en Angleterre. Voilà. Bon, moi, je l'avais ouvert parce que c'est un petit moment que je l'ai reçu. Mais je n'avais pas fait de. Je n'avais pas encore fait la vidéo. Alors, là, elle m'a envoyé une petite carte, mais comme c'est écrit en anglais, ben, j'essaierai de le traduire. Voilà, j'ai reçu une petite carte, mais c'est écrit en anglais. Et derrière, il y a les coordonnées. Je verrai ça. Alors, j'en ai deux modèles. J'ai deux modèles parce que j'ai une amie qui voulait exactement le même. Donc là, celui-là, je vais le mettre de côté. Et ça, c'est la commande. Même pas la commande, c'est carrément le code et la quantité. Il n'y a pas de prix. Alors, voilà ce que j'ai pris. Ce sont des cartes en forme de boule. Et il y a pour faire 12 boules comme ceci. Alors, on va découvrir ensemble. Bon, je l'avais ouvert pour voir s'il y a vraiment bien tout. J'ai tout remis dans la pochette. Ça, l'autre, il n'a pas été démonté, alors je ne vais pas l'ouvrir. Alors, je vais tout retirer. Alors, déjà, j'ai. Alors, deux. 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 12 enveloppes comme ceci qui font 15,5 sur 15,5. 15,5 sur 15,5. Après, donc ça c'est. Bon, en plus, ils expliquent le bien, mais il n'y a plus qu'un. C'est écrit en anglais. Alors, derrière, là, vous avez les étapes pour faire la boule. Alors, c'est une superposition. Alors, là. Il y en a combien? Alors, là, la boule. J'espère que vous voyez bien. Et la boule, elle fait combien? La boule, elle fait 11 sur 11 sur 12 cm. Alors, j'ai pris de là à là. Or, c'est une superposition. Donc, j'en ferai une pour vous montrer. Alors, ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10. 12. Voilà, il y a les 12 boules. Alors,
je vous ai montré, puis après j'en ai des comme ça. Alors, ah oui, c'est en fonction des modèles. Je pense que celui-là c'est pour la chouette et celui-là c'est pour le renard. Alors là, vous avez le renard, il y a la chouette, il y a les arbres. Je pense que tout ça, et tout ça c'est en prédécoupé, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du prédécoupé. Alors, du coup j'ai deux chouettes, je regarde ce que j'ai. Ah non, ça fait trois chouettes, trois renards. Et là, c'est quoi? Ah! Il y a trois oiseaux et trois biches. Non, un renne, je ne sais plus. Et en haut, il y a les sapins. Et donc, en fonction du modèle, voilà, en fonction des modèles, voilà, le fond avec les, avec le noir, c'est pour le renard. Voilà. Le fond noir, c'est pour faire le renard. Les rochers, c'est pour que je vous montre la chouette. Après, il y a le fond comme ça. C'est pour le, c'est un cerf, hein? C'est un cerf, j'ai une biche, mais non, il y a des bois, donc c'est un cerf. Ah non, un renne, c'est un renne, puisque c'est Noël, c'est un renne, voilà, un renne. Non, mais je raconte n'importe quoi alors. Et puis là, celui-ci, c'est pour l'oiseau. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à faire des essais. Pour comment il faut que je les fasse. Parce que je voudrais les faire pour le marché de Noël. Donc ils seront faits. Voilà. Donc là, c'était sur la boutique. Je vais vous redonner le nom. La boutique Catissou. Voilà. Et puis, ben, le prix, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai plus en tête. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien de cet article en barre d'infos. Voilà. Et ben moi, je vous mets cela. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye!